désolé. Et là, vous comprenez, vous pouvez comprendre ça. Voilà. On commence d'abord par la waraba. Il veut de l'eau. On peut faire ça. On commence par elle. Écrivez, il veut de l'eau. Tu as serré ton cul ici, va aller là, quand tu vas desserrer. Écrivez ça. Voilà, j'ai vu des commentaires de gauche à droite qui dit, oh, elle n'a pas ton temps. Oh, tu souffres toi seul. Oh, pourtant là, vous dites, oh, elle ne te voit pas. Oh, ceci. Famille, mon direct est si trop volé. Je vais vous montrer. Comme vous êtes, ça y est, nous tous là, dans la Côte d'Ivoire, nous sommes devenus des saints Thomas. Juste après mon live que j'ai fait, le live est partagé partout. Ils ont pris TikTok, Facebook, tout le monde a partagé le live de la gloire, le live du pardon. Maintenant, ma soeur, il me redit. Dès qu'elle a fini de faire mon live, elle a mis, quand tu sais que tu n'es pas nu là, faut pas qu'on va te déposer dans l'assiette pour te manger. Bébé, je ne suis pas du tout nu. Je pensais que j'étais nu, oh, mon amour. Parce que toi et moi là, c'est l'amour fou. Toi et moi là, c'est que c'est la mort. Bon, comme il y a des personnes qui sont saintes au moi, quand j'ai fini de faire mon live, voilà le poste qu'elle a mis. Et comme moi, elle n'aime pas. Elle n'a pas de sentiment pour moi-même. Mais moi, je suis très, 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 très amoureux. Donc, je lui dis que, bébé, ça serait ton cul. Partagez le like, mettez le cœur. Partagez le. Ah, montrez le. Je vais vous montrer la preuve. On y va. Oh, pour le respect, puisqu'elle dit qu'elle est mariée. Il veut dire qu'elle est mariée. Comment elle dit qu'elle est mariée? Ben nous là, moi je connais ma maman qui est mariée. Elle est morte. C'est à son désordre qu'on a les bagues là dans son doigt. Mais il vit là. Mon cher bébé, je sais que tu es fun. Mon amour, je sais que moi là, c'est que quand tu dors comme ça, c'est moi mon amour. Je sais que tu ne peux pas reconnaître. Bébé, il dit, mon amour, mon trésor, tu ne peux pas reconnaître que moi là. C'est-à-dire que tu es fort de moi jusqu'à demain matin. Père, je suis le seul pouvoir que tu as, chérie. Père, tu connais que l'homme du Dieu nous l'a perdu. Donc, quand il vient là, il parle, il dit ce qu'il a dit. Et puis, enfin, moi, voilà, mais comme toi, tu n'es pas prête. C'est que toi, c'est que les avicams, ils ont reculé, façon. Ils prennent tout par cœur. Tout ce qu'on fait, ça cause. Quand eux, ils font là. Pour elle, c'est doux. Mais pour nous, là, c'est amer, mon cher. Donc, bébé, hein, faut desserrer ton cul sur mon voyage. Bon, on va dire, je ne vous permets pas. Hein. Vous, comme c'est une dame, on dit, desserre tes fesses. Il dit, écrivez. Mais l'autre, mais toujours, écrivez, il dit, desserre tes fesses. Vous avez entendu? Je répète, n'écrivez pas cuir. Elle va se sentir offusquée. Vous savez, c'est une déesse. Oui, oui, oui. Vous savez, c'est après tout, c'est l'enfant du père. Vous comprenez? Donc, hein, écrivez-lui, dit, desserre tes fesses. Ben, quand on dit, ils ont serré les couilles. Couilles. Oh non, non. Mais du tout, ça fait pas. Donc, elle, écrivez fesses. On va gagner un temps. Écrivez-lui, dit, desserre tes fesses. Sur le voyage de l'homme du Dieu en Côte d'Ivoire. Écrivez, 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 écrivez. Thank you.
il vit de cette fête sur le voyage de Lord Gugu en Côte d'Ivoire. Mais je dois me répéter. Écrivez. Aujourd'hui là, écrivez. Yves Dero, de cette fesse sur le voyage de la Guinée en Côte d'Ivoire. Non mais qu'est-ce que c'est? Mais Doudou, allez, allez, au travail, au travail, au travail. Répondu à mon live. Je vais vous prouver qu'elle a répondu à mon live. Dès que j'ai fini de faire le live, qui a été partagé de gauche à droite, je vais vous montrer les écrits. Je montre d'abord le nom. Ne pensez pas que j'invente. Dès que j'ai fini de faire mon live, je vous montre. Voilà. Ceux qui savent lire, le nom qui est en haut là, c'est quoi? Le nom là, c'est quoi? Vous qui savez lire. Voilà. C'est une capture, hein. C'est une capture. Donc maintenant, on va regarder les écrits. Attendez, attendez. Pour que vous puissiez voir tout en même temps. Voilà. Voilà. Il dit quoi? C'est pas... Non, faut pas le bloquer. Faut caler. Puis tu me répètes, je viens de me montrer. Regardez. Tu ne bloques pas pour l'instant. Hein? Je vais le répondre. Vous voyez, mais Doudou, vous voyez les écrits? Dites-moi si vous voyez. Écrivez. Mais Doudou, vous voyez, quand j'ai fini de faire mon live, c'est le poste qu'elle a mis. Elle a mis, vous qui savez lire là, lisez. Non, répondez-moi parce que je vais quitter là, non. Répondez-moi. Marie-Ange, c'est bloqué chez moi, faut voir s'il me répond. C'est bloqué chez moi ici. C'est pas seulement que j'attendais dans ce salon. Je suis pas bonne danseuse. Mais répondez, bah, c'est bloqué chez moi ici. Répondez, vous voyez les écrits ou pas? Vous voyez le nom? Je n'ai pas inventé, c'est sa page. On dit, il faut bien, il voit. Vous voyez? Ok, si vous voyez, c'est l'essentiel. Maintenant, le gars là, il a dit quoi? Mon frère, tu sais, pour être sincère, honnête, il s'appelle comment? Il s'appelle, qu'on appelle, pardon nouveau quelque chose là. Pardon nouveau, faut dire pardon nouveau. Pardon nouveau quelque chose, je ne sais pas quoi là. C'est pas l'arrestation là qui me fait peur. Hein. Vous savez, quand tu n'as jamais fait quelque chose, ça fait peur. Mais quand tu as déjà fait, et puis tu es arrivé là-bas, tu as maîtrisé la situation, ça peut plus te faire peur. Non, ce qui inquiète, ce qui inquiète le plus, c'est que j'ai mes petits-enfants. J'ai mes enfants qui comptent sur moi. Vous comprenez? Vous dites qu'on est fourri, oh, on ne travaille pas. En France, ici, là, il y a trop d'impôts. En Côte d'Ivoire, il y a moins d'impôts. On veut aller, moi, je suis guéri. Je suis guéri. 100%. Tu comprends, mon frère? Mon père vient de Guiri. Il s'est installé à Gloa et chez sa grand-mère. Maman vient de Gloa Blopou. Sa maman vient de Fakobli,
Son papa vient des Ziagaisons. Donc, ça dit, moi, je connais mes origines, je sais d'où je viens. Mais quoi, du voilà, c'est pour nous tous. C'est pas la prison qui m'inquiète, hein. Pour être sincère. Mais vous savez, moi, je sais faire. Prison là. Voilà, ça m'inquiète pas. J'ai dit la vérité. Mais, il faut savoir faire les choses. Je m'en vais en Côte d'Ivoire, donc j'annonce à mes abonnés que j'arrive en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas s'apprêté à faire des lives. Je suis en train d'annoncer à tous ceux qui aiment faire des lives pour avoir l'argent là. Que apprêtez-vous bientôt parce que la banque est. On va faire comme pour Pita 05. Hein. Famille, on va faire comme pour Pita 05 là. On va parler du cas au bout de combien de mois là. Parce qu'à l'époque, ma grosse m'avait sauté 7 mois. Ou bien 3 ans, je ne sais pas. Bon. Et puis, vous avez papier de France là. Mon papier est bientôt périmé. Hein. Mais je m'en vais quand même. Donc, si ils m'ont arrêté là, ça sera difficile pour moi de rentrer en France. Hein. Mes petits enfants vont m'aider quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Sinon là, ce n'est pas plus ça qui m'inquiète. Mon ami, quand tu dis que je serai arrêté là, c'est que si. En attendant d'être arrêté là, je suis là. Et puis je lui parle. Oui, oui, Yves Doro, dessert ton cul. Oui. Oui. Il a répondu, oui, oui, tu as raison, et puis tu es pardonné. Le gars t'a dit que tu vas là. Aïe. Aïe. Il a dit. Comment. Aïe, j'ai raison comment encore. J'ai raison comment. Vous savez, c'est ce que vous faites. Et puis, on vous bloque en dehors sur les lives. Hein? Donc, famille, on y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Vous avez vu? Ivy, je vais te répondre. Effectivement, je ne suis pas mûr. Oui, parce que, contrairement à plein de personnes en Côte d'Ivoire, je n'ai pas la jambe légère. Je ne suis pas du tout mûr. Moi, mon yéna, là, c'est fermé, on dirait. Ils ont mis briquet et ciment dessus. C'est, vous savez, quand on parle de pureté, quand on parle d'une femme vertueuse, quand on parle d'une femme qui a de la valeur, moi, wallah, blague en live. Que ça soit viol, que ça soit volontairement, l'homme qui va rentrer à moi, wallah, mais s'il n'a pas l'intention de tomber amoureux de moi, il va se sentir obligé de m'épouser. Oui, je suis lesbienne. Hey, mais une lesbienne pure. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'elle dit. Une lesbienne pure et fraîche, ça ne chauffe pas. C'est pour ça qu'il a dit que le ministre, moi, je le cherche. Mais comme je suis le père, je suis madame Ouattara Ibrahim, donc je ne m'inquiète pas. Je suis dans le game. J'ai dit, Ivy, desserre ton cuir. Ou bien je dirais tes fesses, puisque tu dis être marié sur mon voyage. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? J'ai dit le direct. Je commence par Ivy et puis je termine par quelqu'un d'autre. Parce que quand j'ai vu le poste là, pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous remontrer le poste. Quand j'ai vu là, j'ai éclaté des rires. Oh, elle ne te voit pas. Elle est au 50e étage. Oh, elle ne te voit pas. Oui, elle ne me voit pas, mais elle répond. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis rien, je ne suis personne. Ça, c'est la vérité. Mais au devant de Dieu là, au devant de Dieu, je suis un être qui me fait des chairs et des sangs. Vous comprenez? Voilà. Donc, alors, ça, je vous montre pour la dernière personne et on passe à autre chose. Je ne vais pas perdre mon temps aujourd'hui, ciel. La dernière fois, j'ai fait 1 heure et quelques, non? Je ne suis pas mûr. Je reconnais. Je ne suis pas mûr, oh. Je reconnais, oh. Parce que ce que tu as écrit, là, c'est la vérité, hein, c'est pas faux. Oui. C'est la vérité, c'est pas faux. Parce que quand tu sais que dans la vie, là, ton derrière devant est grillé comme mon mina. Tu fermes ta gueule. Mais malheureusement pour moi, je suis une vraie pipelette. Malheureusement pour moi, je n'arrive pas à fermer ma bouche. Ça, c'est une évidence. Quel que soit le fa, ça, tant qu'ils n'ont pas pris aigu pour coudre en bas en haut, ou bien tant qu'ils n'ont pas mis une balle dans la tête là, chérie, l'amour que j'ai pour toi là, c'est la vie. L'amour que j'ai pour moi, j'ai amoureux de toi. On peut voir une personne avec un joli corps comme ça, des jolis seins, hein, bien tortillés comme ça, une corps bien musclée, avec lequel tu peux faire 4. Et puis tu as dit que tu ne veux pas. Tu es parti, tu as réussi pour me laisser. Hein. Moi, j'ai encore faim. J'ai besoin de toi, cognac.
Hey, amène-moi la maca 10 fois. 10 fois, je ressortirai. Toi et moi, on est amoureux. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, ça chope même pas même. Donc, desserre tes fesses sur ton bébé que je suis. Je suis ton bébé. Bébé. Je suis ton bébé. Alors, 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 alors.
sorciers partout, hein. Allô? Robert? Oui. Ouais. C'est qui? C'est le futur mari de Clara. C'est le futur mari de Clara? Bah, bien sûr. Hein? Tu veux épouser Clara? Tu as combien dans ton compte en banque? Ben moi, mais je suis pauvre. Quand elle doit marier un millionnaire? Eh, bon, dedans, pour commencer là, donne des clés là même là. Bande de fiançailles, mais ça coûte 1 million d'euros. J'ai dit 2 euros, il n'y a pas dit c'est pas. J'ai dit que je n'ai pas dit, je n'ai pas dit c'est pas, j'ai dit euros. Ok, donc commence d'abord par la banque de fiançailles. Viens seulement à la banque de fiançailles d'abord. Non, mais aïe, il y a quelqu'un dans la liste. Viens d'abord à la banque de fiançailles. Bon, ok, je vais faire mes parents. On va essayer d'organiser pour venir à Paris là-bas. Ok, donc organise et puis viens. D'accord, à tout à l'heure. Je suis en live, au revoir. Les prétendants, les clans là sont beaucoup, hein. Fais-le trouver la fille, wesh, là, ici. Elle va dire, vos vrais noms. Bon. Deuxième chose, bipez le capi, capi. Capi, c'est le Dieu. 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 Écrivez, 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 écrivez. Écrivez Capi Zeretier. Écrivez au. Tu vas faire par là-bas et lui accorder ton argent. Donc, c'est le Dieu.
Yedjo, le bas de Yaya, que tu fais? Tu m'as envoyé, Marie-Ange? J'ai dit pour ta fille là, tu veux qu'elle t'insulte en live. Je ne sais pas, en fait, si moi je réfléchis en enfer, bien, c'est les autres qui réfléchissent en enfer, je n'en sais rien. Elle a fait d'en bas de ses rédits là. Tu vois, c'est son TikTok ou bien c'est son Facebook. J'ai dit, elle, tu ne mets pas les Sony. Non, mais franchement. Bref. Il y a toujours des sorciers dans ma vie. Marie-Anne fait partie de mes sorciers. Par exemple, on ne peut pas dire, elle est plus tard, tu vas parler d'un île. Ou bien Sony est devenue pédé. Donc, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec toi. Pas que tu as déjà là. Je ne suis pas habitué, c'est vrai que. Qui va gérer le bar là? Logiquement, c'est moi qui dois gérer le bar ça là. Parce que c'est marqué le yaya. C'est vrai que nous venons de maintenant. Est-ce que c'est que tu fais là, on fait ça? Parle le bar là. Quand moi-même j'ai vu le bar là, j'ai dit ya. C'est vrai que tu es un tricheur. Tu as pris mes couleurs. Parce que moi le rouge et le blanc. Non. Ça dit que on a signé un contrat. Mais tu as parti soulever rouge blanc. Tu as mis dans le bar là. J'ai dit, moi, mais je regarde bar. Et puis tu as marqué tout ce que j'aime, le yaya. Moi-même, là, toi-même, tu sais que tu connais à faire là. Du haut de mes 46 ans, avec beaucoup de petits enfants. 4 petits enfants, je pense que j'ai 16 ans, c'est Dieu. Tu vas me mettre un bar comme ça? Hein? Fallait attendre pour faire l'inauguration là. Je te donne la date de mon arrivée. Peut-être que si. Si moi je rentre à l'aéroport, oh, moi j'aime bien ça. Si moi je rentre à l'aéroport, après, si c'est la bombe, ils vont venir me prendre. Poisson, poisson, le yaya. Le yaya. On n'a plus l'or. Ils sont de faire les travaux, arranger bien les choses. Mais c'est si elle est venue choper. Il n'y a pas un micro même. Si elle est micro, il y a un micro. Il y a un micro, non? Allô, mon gars. Regardez tout ce que j'aime. En tas. Tout le rouge. C'est le yaya. Marie-Anne, elle a fait 2 vidéos. C'est le yaya. On n'a plus l'or. Ils sont de faire les travaux, arranger bien les choses. Mais c'est si elle est venue choper. Il n'y a pas un micro même. Si elle est micro, il y a un micro. Il y a un micro, non? Marie-Anne, elle a fait 2 vidéos. Elle a fait une vidéo où on montre la devanture. On n'a plus l'or. Ils sont de faire les travaux, arranger bien les choses. Mais c'est si elle est venue choper. Il n'y a pas un micro même. Si elle est micro, il y a un micro. Il y a un micro, non? Allô, mon gars. Toi, ma douce la star, là, tu chantes quoi? Ma douce la star, tu chantes quoi pour aller chanter là-bas? C'est que moi, je dis que Jésus, c'est le Dieu contre moi. Aujourd'hui, là, je vais te dire la vérité. C'est le Dieu, il est contre moi. Parce qu'il n'était pas contre moi, là. C'est moi, je devais faire l'ouverture de ce bar, là. C'est le Dieu. L'ouverture de bar, ça, là. C'est pas José qui doit faire. Parce que dans ce bar-là, on doit se laver en désordre. C'est le Dieu. Dans ce bar-là, on doit se laver en désordre. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein? Non. Je ne suis même pas d'accord avec toi-même. C'est le Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Dans ce bar-là, on doit se laper. Oh,
vais jamais dégaler, toujours dans la même, ça chauffe pas. Armel Dasté, le premier ministre. Croyez que tu es Gawa, mon Dieu, mon roi, c'est grâce aux prières de toutes les personnes que je suis là aujourd'hui. Merci à tous les mamans d'ici et d'ailleurs. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Coucou, mon bébé Coco Chanel. Viens faire danser le père. Désormais le père national. Allez bouger, c'est le la paix. Ouais, c'est toujours l'homme du vu. Imitez mais jamais égalé. Oui. Je suis deux années, c'est ça qui est ça. Yeah, maman la poso, yeah, maman la poso, yeah, maman la poso, yeah, maman la poso. L'apéro, l'apéro, l'apéro du dilofo. L'apéro, l'apéro, l'apéro du dilofo. Tout le monde venait bouger. L'apéro, l'apéro, l'apéro du dilofo. L'apéro, l'apéro, l'apéro du dilofo. Paris venez danser, New York venez danser. L'apéro, l'apéro, l'apéro du dilofo. L'apéro, l'apéro, l'apéro du dilofo. Hé, hey, la maison de Kiki, voilà ça, hein. Ouais, c'est quoi ça, la mer, énergie éolienne, c'est de ça qu'il s'agit. Ce pays gagne toujours, ça chauffe pas. La paix. Allez, c'est le rapéro, c'est de ça qu'il s'agit. Allez, la paix. Partagez, mettez-moi des cœurs. Donc, tu as vu, non? Oui. Ok, Sanglion d'Afrique, Frankie, j'ai déjà fini vous partir. Vous venez d'arriver en retard, c'est pas grave. Vous allez voir le direct en rédivision. Donc, j'étais en train de dire à la grande vendeuse de Perli Abidjan, hein, c'est la mère qui m'a Perli avec son Sama derrière elle. Hein? Elle appelle ses fesses là. Sama, moi j'ai appelé pour moi comment? Si toi tu appelles pour toi Sama, je vais appeler pour moi comment? Hein? Faut pas m'énerver. Hein? J'ai dit, tu vas pas aller chanter là-bas. C'est moi. Je vais aller chanter là-bas. Je vais chanter le lapéro. C'est de ça qu'il s'agit. Le lapéro là, c'est la chanteuse. Mais vous savez, hein, petit lapéman, tu te trouves à la maca et tu deviens star. C'est de ça qu'il s'agit. Au pays de gâté. Non, c'est mon bébé. En passant rapidement, Ivy, on dirait que tu veux encore me rendre grand. Petit truc là, aujourd'hui là, regarde le nombre d'abonnés que j'ai. Donc là, si tu as décidé encore, de m'emmener là-bas là, quand il est sorti là, non, je serai comme mon frère, putain, 07. Gâté, roi. C'est quoi ça? Bisous à toi, la grande fontaine Gabaté. Et les bras morons, j'ai dit que ne pensez pas que c'est pour les femmes deux ans, non seulement le lapéro. Voilà. Mais vous êtes au courant que les mousses aiment pas les mains d'eau. Donc mettez vos mousses aux eaux. C'est de ça qu'il s'agit. Je salue ici ma team. Hey, les soldats de la division. Vous êtes très efficaces. Je vous l'offre. Hey. L'apéro Didi Lobo. L'apéro Didi Lobo. Faut pas venir gâter le nom des gens vers la fin. Toi-même tu vois comment ça devient. C'est le passage du Didi qui est à l'air. Yeah, yeah, yeah. A l'apéro de la, la benetona. Guinée, Dédien, Yéme, Didi. Ouais, Daniel Patoué. Est-ce que tu es un boy-bo? Kenny, Adéame. C'est de ça qu'il s'agit. Bisous à vous, à tous mes parents de Selmer. C'est de ça. Daniel Patoué, SZBMBO. Ça veut dire vous l'offre à mener caillou. Caillou là. Quand caillou est dans la mer ou bien dans la lagune, et puis il est incrusté là. Toi là, tu vas amener caillou là où? Daniel Patoué, SZBMBO. Tu vas dire que quand le caillou est incrusté, quand le caillou est au fin fond de la mer, tout ce que l'on peut faire, c'est de tout enlever, juste le sable,
en bas du caillou, hein. Mais le caillou est incrusté. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, voilà, voilà. Serait Dieu. Franchement, hein. Serait Dieu. Serait Dieu. J'ai dit, et je répète encore. Inauguration, là. Si tu fais ça sans moi, je vais. Ça veut dire que je vais faire une semaine sur ta vie. Pas inauguration, là. Tu dois faire ça en ma présence. Oui, Marie-Ange. Non, ça va encore bien faire. J'ai dit, tu dois, c'est-à-dire que, c'est le Dieu. Tu, mon nom, Magnamide, c'est le Dieu. Magnamide, inauguration là. C'est que tu dois faire ça. C'est que tu mets ma photo comme ça, bayaï. En cran, c'est le Dieu. Tu me mets à l'honneur. C'est le Dieu. Et puis comme ça, je descends. Et puis tu viens. Et puis je fais mon spectacle. C'est le Dieu. Si tu n'as pas fait ça,